Salut, allez, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Ça fait un moment que je vous en avais pas fait sur Gran Turismo Sport. Je reprends un petit peu les vidéos, hein. C'est toujours en fonction de mes envies et de mon temps de disponibilité. Donc voilà, on va partir sur la groupe 4. Donc c'est sur les quotidiennes Sardaigne. C'est pas un circuit que je fais souvent, mais là vous allez voir, ça s'est pas trop mal passé. Donc j'ai choisi une voiture, vous allez voir, j'ai fait trois tests de véhicules différents. Donc selon le circuit, ça peut plus ou moins être bénéfique. Donc là, je pense avoir choisi la bonne voiture, peut-être pas la meilleure de ce que j'ai dans mon garage, mais voilà, en groupe 4, c'est celle que j'ai préférée. Donc on est parti pour 7 tours. Restez jusqu'au bout, parce que vous allez voir, il y a une petite surprise, une petite précision à noter. Donc on est sur PlayStation 5, bien évidemment, et enfin, bien évidemment. Non, je le précise, donc ce sera certainement en 4K quand je vais sortir la vidéo. Et puis voilà, vous allez voir au niveau des qualifs, c'était très serré. J'ai fait, on va dire, 6 ou 7 tentatives, hein, pour être totalement transparent avec vous. Et c'est vrai que j'ai fait ça le matin, donc il n'y a peut-être pas beaucoup de monde, donc du coup pas beaucoup de split, et du coup le niveau est assez élevé. Alors vous me direz, si vous avez fait ce circuit, cette quotidienne, si jamais vous avez un temps de référence et à ce moment-là, quel temps vous avez fait, comme ça pour essayer de comparer un peu où on en est, et puis bah comme ça permettra moi de voir un peu où j'en suis. Et puis je vous dis, hein, encore une fois, c'est une course qui dure pas très longtemps, ça ne fait que 7 tours. À la fin, il y a une petite précision, vous allez voir, c'est intéressant. Voilà, allez, je vous laisse avec la course, je vais essayer de la commenter après l'enregistrement, et puis vous verrez, petite précision intéressante. Voilà, allez, je vous laisse avec la course, le replay, et on se dit à une prochaine. Salut! Allez, on est donc parti pour 7 tours. Donc vous voyez en 7ème position. Donc il y a deux Français derrière moi, Nikos, Nixomos et SZX. Bref, j'aime toujours un peu voir les nationalités des pilotes avec qui je cours. Donc on prend un départ normal, rien de compliqué pour l'instant. Vous voyez au niveau de la répartition du freinage un petit peu sur l'avant et au niveau du TC, je suis à 1. Donc on entame ici forcément un petit peu plus intérieur parce que forcément c'est un peu compliqué au tout début de course. On enchaîne bien ici, il n'y a pas trop de problème. Pas évident ces trois courses, ces trois virages successifs suivis justement après d'un gros freinage. Voilà, là on enchaîne toujours à droite et là il y a un gros freinage. Toujours un petit peu en appui, on se laisse aller et là on est parti. Petite phase d'accélération. Ici, ça laisse courir également en quatrième. Et on va passer la troisième ici, juste là. Rester ici, juste à gauche et plonger. Sans perdre trop de temps, parce que juste derrière, c'est la ligne droite. On est toujours à la fin du premier tour et on est toujours septième. Donc c'est pas trop mal. Sur 16, donc justement, on est dans la première partie de la grille. Et là-bas, on va arriver sur le gros freinage, où forcément, comme d'habitude, sur GT Sport, il y en a qui vont profiter. Nixomos derrière le français qui va me faire le freinage. Vous voyez juste à droite, moi j'essaye, je le vois arriver, donc j'essaye de décroiser. Je suis à sa hauteur, alors forcément ça va jouer des portières. À un moment il faut bien se placer. Il reste bien à gauche, il est devant. Là, on n'est pas trop mal. Là c'est toujours à fond, mais il sort moins vite que moi, donc ça me bloque un peu. Il faut laisser couler et en profiter. Voilà, ça pousse légèrement dans le grain, dans le bac à gravier. De toute façon, tant qu'il n'y aura pas de dégâts dans GT Sport ou dans GT7, ça ira à foison sur les contacts. Allez, là on n'est pas trop mal, il y en a un qui s'est sorti l'espagnol, le troisième. Je me décale parce que justement au moment où ils réapparaissent, je me suis déjà fait avoir. On peut les tamponner et se prendre de la pénalité, donc voilà, je préfère m'écarter un petit peu. Et on est à la fin du deuxième tour, on est P5. Pas trop mal. On va retarder au maximum le freinage. Revenir en deuxième pour avoir assez de grip pour pouvoir repartir. Je suis un peu large. À la limite du spin avec l'herbe sur la gauche. On reste en contact du français avec sa Golf. Pas trop mal. Toujours avec la Nissan, je précise.
si c'est pas forcément évident, on mord un petit peu, on ressort mieux, on se décale. Et on va rester sur sa place, on va pas non plus freiner. Lui forcément se resserre. Lui il me gêne là devant l'allemand. Ah là là, ça c'est compliqué. On a réussi à tirer son épingle, mais là il va encore me gêner. Non, ça va, je décroise, il est sorti un peu large. Mais il a plus de motricité ou en tout cas plus de puissance, je sais pas. Mais le fait est que il est devant moi, donc je vais prendre un petit peu la spi juste derrière. Je sais pas, il s'est pris 3 secondes, je sais pas de où. Et en plus il a voulu, je pense, piter. Je sais pas ce qu'il a voulu faire, il s'est tapé la barrière de sécurité. Je l'ai stoppé net et j'ai failli me le prendre également. Donc pas évident. Donc on se retrouve, je ne sais pas par quel hasard, 3ème. On est sur le podium pour l'instant. Les deux premiers devant sont pas très loin, à 1 seconde 3. Là, on est à fond. Et on va revenir en 4ème ou 3ème ici. Voilà, filet de gaz et c'est reparti, plein pot. Derrière le français, il a moins d'une seconde. Donc la Nissan elle est bien parce qu'elle permet quand même de tourner un peu mieux là, au niveau du pivot de la bagnole. Ça passe un peu mieux dans les courbes, un peu moins de puissance, mais je trouve qu'elle est assez homogène, en tout cas pour ce circuit là. Voilà, on s'est rapproché de l'allemand, Real Lewis 1. On a 1 seconde 6. Le freinage qui demande de retarder au maximum pour pouvoir bien prendre à l'intérieur. Je reste à l'extérieur et hop, là je plonge. Donc là c'est pas mon meilleur passage je pense. Avec le TCA on peut quand même remettre les gaz assez rapidement. On est plus ou moins dans le même rythme, même si j'ai l'impression d'être un petit peu plus rapide que ceux devant. Voilà, là c'est à fond. Et voilà, ici on redescend à 3ème. C'est pas le meilleur passage non plus, mais on n'est pas trop mal. On reste à 1 seconde. Enchaînement à droite. C'est là, je pense, où la Nissan elle permet de bien prendre le virage, bien prendre à l'extérieur. Et de reprendre ici. Hop, mordre un petit peu et donner plein gaz ici. Allez, c'est parti. Derrière, ça profite. Enfin, devant, ça profite de l'aspi. L'allemand qui profite. On va essayer de se mettre derrière. On a perdu un peu de temps parce qu'on est à 1 seconde 4. Derrière, ça a quasiment terminé. Le français, il a plus de 3 secondes. Donc je suis un peu soulagé pour l'instant. On est déjà dans l'avant-dernier tour. Là on est pas mal. Ouais, on est pas mal devant, ça perd un peu de temps. On a du mal à tenir la voiture. Allez, on prend bien l'extérieur, on se rapproche. On frôle la barrière. On enchaîne sur le droite. Toujours à fond. Il faut que je passe vraiment bien ici. Ouais, là on est pas mal. On met les gaz assez vite. On n'est pas encore collé, mais on est à 7 dixièmes. Et on va bientôt arriver dans le dernier tour. Ouais, pas mal là, ici. Ah là, il se loupe un peu. Allez, nous on est bon. Incroyable, hein. Il a pris le bac gravier légèrement là-bas. Il est sorti un peu large. Et il est toujours devant, à quasiment 1 seconde. Mais c'est pas une pénalité donc pour sortie de piste à mon avis. Ça va me permettre de revenir pour le dernier tour, ça va être chaud. Avec forcément le premier avec sa Peugeot RCZ, toujours incroyable. La BOP va peut-être falloir la modifier. Je suis désolé, mais pour moi il y a un souci. Allez, on s'est bien rapproché ici. La pénalité va bientôt se la prendre, donc ça va être très très bref. Il va vraiment falloir profiter là, je l'ai un peu mal passé. Allez, on va plonger ici. Ça va, ne gêne pas. Plein pot. Là, il va se prendre son slowdown. Je m'écarte encore un peu. Ah là, là, on est bien. Là, on est très très bien. Je suis dans l'échappement. Ah, j'ai pris une petite dérive. Allez, on mord un peu comme lui. On donne toute la puissance. Et on est... Ah, il bloque. Hein. Il se met à gauche, à droite. Je sais pas trop où mettre. À gauche, il est juste là aussi, l'allemand. Allez, on va se mettre à droite. On va essayer de profiter. Ah, j'ai pas d'aspi. Je glisse un peu. Ouais, je suis 3ème. Voilà. Je termine 3ème, bref, vous voyez, c'était vraiment une course intéressante. Donc la petite subtilité, que je vous avais pas dit, c'est que j'ai joué à la manette. Ouais, j'ai joué avec la DualSense. Je voulais pas vous le dire, hein, pour pas soit ne pas vous intéresser à la course, mais au moins pour vous montrer que c'est quand même possible. J'ai repris un petit peu la manette, parce que je vais être très clair, quand je joue devant la télé ou choses comme ça, je mets pas le play seat, hein, forcément dans le salon. Donc voilà, je profite quand même de mon écran assez important en 4K OLED. Donc du coup, je me dis, je vais jouer à la manette. Et quand on s'y habitue, ouais, c'est pour ça que je vous ai demandé un petit peu vos temps, ça permet quand même eh bien, de s'amuser sans mettre
tout le matériel et puis de faire des courses intéressantes. Donc je pense être quand même dans un speed qui n'était pas trop mauvais. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et nous on se dit à une prochaine. Tchuss!